première de ces éthiques, c'est être attentif au vivant. Alors, je dirais plutôt, c'est aller chercher la puissance de la plante pour retrouver notre propre puissance. Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre du respect de soi et du respect de la plante. Parce que l'humain, en fait, est la nature et fait partie de la nature. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle confidence de plume. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un ami et cet ami s'appelle Loïc Plisson. Bonjour Pascal. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Je vais te laisser te présenter, c'est peut-être plus facile parce que tu as un CV qui fait des kilomètres. Alors je vais peut-être pas présenter mon CV comme tu dis puisqu'il est peut-être un peu long. Donc je m'appelle Loïc Plisson, je suis permathérapeute et créateur du site Se Soigner Autrement. Je suis également organisateur du sommet des plantes médicinales et récemment du sommet alimentation et santé. Peut-être la question qu'on peut se poser quand je présente comme ça, c'est quoi la permathérapie? La permathérapie, en fait, c'est une méthode de soins que je développe, que j'ai développée avec différents partenaires, où on est dans une logique de soins auxquels on applique les principes de la permaculture en tant que philosophie de vie. Et ça, c'est effectivement très intéressant parce que c'est une philosophie de vie, c'est aussi prendre la personne dans sa globalité, mais pas que la personne dans sa globalité, si j'ai bien compris. C'est aussi sa relation avec la nature, ce qui permet... on revient toujours aux fondamentaux de mes amis amérindiens, hein. Ils sont la nature et eux, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dissociation. Et si on arrive aussi bien à se soigner avec toutes les richesses que nous donne la nature, à se soigner autrement, c'est aussi parce qu'il y a cette connexion. Oui, en fait, la permathérapie et puis la permaculture au sens plus large, elle s'appuie sur des éthiques et la première de ces éthiques, c'est être attentif au vivant. Être attentif au vivant avant d'être attentif à l'humain. C'est-à-dire qu'on va d'abord regarder le global, quel va être l'impact du soin qu'on a sur la nature, comment ça va se mettre en place, quelle va être la répercussion en fait, du fait qu'on prenne soin de soi. Et dans un second temps, on sera attentif à l'humain. Donc il y a vraiment d'abord la nature et ensuite l'humain, comme tu le dis, parce que l'humain, en fait, est la nature et fait partie de la nature. Donc, on ne le positionne pas avant. C'est peut-être là la démarche la plus originale que la permathérapie offre par rapport à un soin conventionnel ou un soin même traditionnel, où souvent, en fait, on va considérer la personne d'abord et après son environnement. Alors, on va pouvoir, du coup, soigner autrement. Et j'aime beaucoup le nom de ton site qui est Se Soigner Autrement, justement. Comment tu fais, toi, quand tu es malade, pour te soigner, parce que ça arrive qu'on soit malade? Comment je fais, moi? Si on met de côté le fait que c'est toujours très difficile de se soigner seul, parce qu'on a un regard qui n'est pas très objectif sur soi-même, on va dire la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me fait me sentir malade? Et à partir de là, en fait, d'aller juste dans ma perception, en fait, qu'est-ce qui fait que dans ce que je ressens, j'ai l'impression d'être malade ou je me sens malade? Je donne un exemple tout simple. Là, récemment, j'avais des cannes de toux, je toussais. Ça crée des sensations en fait dans le corps. Oui, c'est pas la bonne période pour tousser et pourtant ça n'avait rien à voir. Mais voilà, ça crée des sensations et c'est ces premières sensations en fait qui vont me servir de base en fait pour savoir ce que je vais utiliser. Est-ce que tu fais comme je l'indique souvent? Moi je parle de la maladie, c'est-à-dire que en fait la maladie ou la souffrance est une indication d'un dysfonctionnement. Soit physique, mais qui souvent a sa source dans l'énergie qu'on va mettre soi-même. Et donc, tu vas pouvoir te soigner définitivement, uniquement si tu comprends ce que la maladie te dit, quel est le message qu'elle t'envoie. Est-ce que tu fais cette démarche-là ou est-ce que tu es plutôt dans une démarche
à une souffrance, j'applique un remède sans chercher l'origine de la maladie. Je vais te donner une réponse normande. En fait, je fais ni l'un ni l'autre et peut-être les deux en même temps. C'est-à-dire que je vais effectivement considérer que le symptôme, l'expression de la maladie, elle vient pour une raison particulière. Elle vient parce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Il y a eu ce qu'on appelle en permathérapie un désaccordage. C'est-à-dire que la façon dont mon corps est, mon psychisme est, la façon dont je suis n'est plus en accord avec soit l'environnement, soit mon environnement intérieur. Il y a des éléments qui ne sont plus en accord les uns avec les autres. Et sur cette base-là, je vais d'abord chercher, dans un premier temps, à m'approcher le plus près possible de cet accord avant d'aller chercher la cause de ce désaccord. Un petit peu comme on le fait quand on accorde un instrument de musique. Je compare souvent, en fait, le corps humain plus à une harpe plutôt qu'à un instrument à quelques cordes. Mais voilà, un instrument, il y a beaucoup de cordes à accorder. Et en fait, on va d'abord accorder toutes les notes par gamme. On va prendre tous les do, puis tous les ré, puis tous les mi, etc. Et après, on va les prendre une par une pour ajuster l'accord. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, je regarde globalement et j'essaie de me rapprocher le plus de l'accord. Donc là, ça peut paraître dans un premier temps dans une logique de symptômes, parce que c'est un élément qui est important. Et une fois que on se rapproche, aller essayer en fait d'aller au-delà de ce symptôme-là et comprendre en fait ce qui l'a mis en place. Si c'est parce que derrière il y a un désaccordage qui est plus important, si c'est et qu'il soit au niveau physique, psychique, quel que soit le niveau dans lequel ce désaccordage s'exprime, ou bien si c'est parce que c'était juste un petit rappel où mon corps me dit ok, là j'avais juste besoin de me remettre un petit peu en phase, je l'étais pas, c'est bon, je suis recalé, c'est ok. Donc il y a un peu ces deux lectures là qu'on peut avoir. Effectivement, elles sont complémentaires et c'est aussi pour ça que moi, en tant que maître de Reiki, je dis toujours cherche à comprendre l'enseignement qu'il y a dans la maladie, mais ça ne va pas forcément suffire à remettre les choses dans l'ordre de façon accordée, comme tu l'expliquais si joliment avec cette harpe qu'il faut réaccorder, parce que quand il y a désaccordage, ben quelquefois il faut faire appel à un accordeur, parce que on sait pas le faire tout seul et on a parfois besoin d'aide pour ça. Est-ce que j'imagine que quand tu as un problème, tu vas avoir recours à des cachets immédiatement? Oui, c'est ça. Exactement. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Alors, il y a quatre grandes catégories d'outils en fait qu'on peut avoir. Moi, c'est comme ça que je les appelle. J'ai l'alimentation, les plantes, techniques manuelles et gestuelles et techniques instrumentales. Je n'ai pas parlé des cachets au milieu. Voilà, c'est les quatre grandes catégories de plantes, de techniques qu'on va avoir. Dans l'alimentation, en fait, c'est tout ce qui va être un peu quotidien. C'est les gestes quotidiens que l'on fait qui ont une faible intensité. Ce n'est pas des outils qui sont très puissants, dans le sens qu'ils ne vont pas dégager beaucoup de puissance quand on va les utiliser, mais ils vont avoir la force de la lenteur, la force de l'habitude. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui poussent petit à petit et qui nous amènent en fait à retrouver un état de santé ou à rester accordé. Puis après, quand on évolue vers les autres techniques, bah on gagne en puissance, mais peut-être il y a moins de répétition, en fait on va le faire moins souvent. Les premières choses vers lesquelles je me tourne lorsque ça ne va pas, j'aimerais te répondre que c'est d'abord de me remettre en mouvement par une activité, mais en fait, pour être très honnête, je ne le fais pas parce que c'est pas une c'est quelque chose qui me demande moi un effort premier, puis on pourra en reparler. Je m'appuie d'abord sur les plantes pour après retrouver cette force là. Mais la première des choses vers lesquelles je me tourne, ça va être soit les plantes, que ce soit dans mon alimentation ou à usage thérapeutique, soit d'ajuster l'alimentation si je sais qu'à ce moment-là, elle n'est pas juste.
Je suis, et là en fait, ça va dépendre de chacun. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand, et je sais que c'est un travers que je peux Non, non, avoir, et mais facilement, je t'inquiète vais. pas, bienvenue au club. Je vais facilement en fait tomber là-dedans, mais voilà, je sais que je fonctionne comme ça. Donc à partir de là, quelquefois, j'ai juste à me dire, bon, là, tu abuses actuellement un petit peu sur le sucre, si tu lâches un petit peu, ça devrait suffire. Et quelquefois, ça suffit à résoudre, des fois, ça suffit pas, je passe sur autre chose. Mais c'est, voilà, ça va être ces deux outils-là, moi, que j'utilise Donc, tu vas ajuster en ton premier. alimentation et tu vas utiliser les plantes. En premier, bien sûr, il y a des fois où les plantes, ça suffit pas. Si tu as une vertèbre déplacée, ça va évidemment pas suffire. Après, on a juste, voilà, on a juste la technique en fonction du problème, Quand tu effectivement. utilises des plantes, est-ce qu'il y a des modes de préparation que tu privilégies? Alors, il y a, quand on parle des plantes, et c'est intéressant que tu poses la question comme ça, parce que quand on parle des plantes, on a souvent, en fait, cette image-là, on va avoir la phytothérapie d'un côté. Et puis, on a celle qui est actuellement la plus en vogue, l'aromathérapie. Alors Puis après, peut-être les autres. redéfinir la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes, c'est ça directement, et Voilà, des l'aromathérapie. plantes directement, fraîches ou sèches, on fait des infusions, des décoctions, des préparations plus complexes, mais c'est cette Et base-là. l'aromathérapie. Et puis, l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles Ok. essentielles. Et on va dire, bah voilà, moi, je me soigne en aromathérapie ou je me soigne en phytothérapie. En fait, ni l'une ni l'autre ne sont des médecines. Toutes les deux, ce sont des techniques. C'est-à-dire que on peut très bien utiliser une plante comme un cachet, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, utiliser une plante comme une molécule de synthèse, même si ça, c'est très différent. On peut très bien utiliser une huile essentielle comme un cachet, ou on peut aussi les considérer comme quelque chose d'un peu plus large que ça. Lorsque j'ai un problème ou lorsque je conseille quelqu'un dans une consultation, ce que je regarde d'abord, c'est dans la dynamique dans laquelle se trouve la personne, quel va être l'extrait de plante ou le type de plante, enfin l'extrait de plante et le type de plante, pardon, qui sera le plus proche de la dynamique dans laquelle elle est ou dans la dynamique vers laquelle cette personne tend. C'est-à-dire que ce soit la plante vue comme un accompagnant, c'est quelqu'un qui va nous aider à avancer. Et non pas quelqu'un qui va faire le travail à notre place, comme on pourrait l'avoir avec le fameux cachet dont on parlait à l'instant. Voilà, quand on utilise une molécule de synthèse, l'idéal de la molécule de synthèse en médecine conventionnelle, c'est une molécule, un effet. C'est comme ça que c'est ça l'idéal du pharmacien qui crée les médicaments, pas celui qui les vend. C'est une molécule, un effet. Avec les plantes, en fait, c'est on a un ensemble, on a ce qu'on appelle un totem, on a quelque chose d'extrêmement complexe dont on perçoit qu'une toute petite partie avec notre regard limité, qui est celui de la biochimie. Et de l'autre côté, en fait, on a une multitude d'effets qui vont résonner à plein de niveaux en nous. Effectivement, on va avoir des réactions physiques, des réactions biochimiques, des réactions au niveau des molécules, etc. Mais on va avoir des réactions plus larges, ça va mettre en place des réactions au niveau de nos différents systèmes, mais aussi des réactions psychiques qui vont se mettre en place. Il y a tout un ensemble en fait de réactions. Tu veux dire du coup que la façon où la plante qu'on va prendre, elle a une interaction spécifique avec la personne qui a besoin du remède? Aussi bien la plante que l'extrait de plante. C'est-à-dire que le type d'extrait n'aura pas forcément la même réaction, la même congruence avec la personne que la plante entière ou un autre extrait de plante. Si je prends C'est très... un Oui, exemple, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. vas-y. Si je prends un exemple, voilà, tu prends du thym, donc une plante courante par chez nous, tu prends, enfin, Belfort, il n'y en a pas Si, beaucoup de si, si, thym. si, il y en a beaucoup. J'ai une vision de Belfort très froide. Non, non, mais il y a beaucoup de thym, en particulier dans mon jardin, parce que c'est une plante médicinale extrêmement précieuse. Mais ça pousse très très bien ici. Le thym, le D'accord, donc romarin, si on la prend le. sauge, j'ai 3 mètres carrés de sauge dans mon jardin. Tout va bien. Donc si on prend le thym, notre thym en tant que plante, il va avoir un certain nombre de vertus, ok? Mais si on le prend en huile essentielle, ces vertus seront différentes. Si on le prend en hydrolat, on aura encore d'autres vertus. Alors, on est globalement dans la même famille, on va être dans le même
la même dynamique globale. Mais si on va chercher un petit peu dans le détail, on se rendra compte que bah, les indications vont être un petit peu différentes, les dynamiques vont être légèrement différentes en fonction du type d'extrait qu'on va utiliser. Donc il y a le type de plante qui compte, mais le type d'extrait a aussi son rôle à jouer. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça résonne en moi avec cette sagesse amérindienne que j'ai reçue en partage, où en fait, effectivement, on utilise beaucoup la grande pharmacie naturelle qui est la forêt amazonienne. Hein. On a tous les remèdes sous la main. À toi de voir, à toi de savoir comment l'utiliser, mais il y a aussi une connexion en fait. C'est-à-dire, par exemple, si j'utilise la liane tortue pour soigner une diarrhée, je vais prendre cet exemple-là qui est basique, non seulement je vais l'utiliser d'une manière différente, parce qu'effectivement, la liane tortue en particulier, elle a des effets différents selon que je prends la partie aérienne ou la racine, et encore quand je prends la racine, selon que j'utilise de telle manière, elle va me permettre de danser toute la nuit pendant 3 nuits d'affilée, ou alors elle va me faire replier. Mais je vais, quand j'ai besoin du remède, je vais aussi demander l'autorisation à cette plante-là spécifique. Et ça, c'est vraiment très important parce que je vais me connecter, moi, en tant qu'humain, avec l'énergie de la plante, sentir comment ça résonne à l'intérieur de moi. Donc, eux, ils disent qu'ils parlent à la plante. Effectivement, ils parlent à la plante, mais la réception, elle se fait à l'intérieur de son cœur. Ou par intuition, je vais dire. Et il y a des fois où cueillir une plante à tel endroit, c'est pas une bonne idée. Je reviens plutôt ici en Europe. Moi, je cueille aussi beaucoup, je ramasse beaucoup de plantes, je me soigne beaucoup avec les plantes et avec le reiki, mais aussi beaucoup avec les plantes. Il y a des fois où je cueille pas quelque chose parce que quand je demande l'autorisation à ce plantain-là, il me répond non danger. Et effectivement, quand je me retourne, je vois qu'il est à côté d'un champ qui a probablement eu plein d'épandages de produits phytosanitaires, tous plus poisons les uns que les autres. Donc en fait, il y a aussi cette connexion à l'individu plante qui va donner une réponse aussi. Est-ce que ça, tu le retrouves, toi, dans ta manière d'utiliser les plantes ou pas? Alors, je dirais, il y a une grande différence par rapport à la culture amérindienne, c'est que dans nos cultures occidentales et dont je fais partie, même si moi je vais aller cueillir, la plupart en fait des personnes qui viennent me voir en consultation ne cueillent pas. Ne cueillent pas, et sauf pour certaines plantes très nettes où il n'y a pas de risque de confusion possible. Le thym par exemple. Par exemple, le thym ou l'ortie par exemple, voilà. On ne confond pas l'ortie, ou si on la confond, c'est pas grave. Oui, avec le lamier, ça pose pas de problème. Voilà, ça pose aucun problème. Enfin, les indications ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça pose on pas le de sait parce problème. Que le lamier pique pas, donc... Voilà, c'est quand même un repère assez facile. Mais donc, lorsque je conseille une plante ou un extrait de plante, je vais conseiller un extrait qui est tout fait. Il est très rare, en fait, que ce soit la personne qui le fasse elle-même. L'attention dont tu parles, que peuvent avoir les Amérindiens vis-à-vis de la plante, je dirais, moi, je la transfère au niveau intermédiaire, en fait, qui existe dans nos cultures, qui est celui du producteur, du cueilleur ou du distillateur, suivant le type de plante. La qualité biologique d'une plante n'est pas un élément qui est pour moi suffisant, et même quelquefois, je vais passer outre si je connais le producteur, si je sais la façon dont il s'occupe des plantes. Parce que bon, voilà, on sait tous que les labels bio, ça peut coûter cher, etc. Je sais que j'ai un petit producteur qui est à 7-8 km de chez moi, un producteur de plantes médicinales. Il n'a pas ce label-là. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller avec lui dans ses cultures, etc. Ça mériterait 100 fois un label bio, vu l'amour qu'il met dans la façon dont il a de cultiver les plantes, de les cueillir, de choisir. C'est même pas choisir la terre dans laquelle elles vont pousser, c'est choisir l'endroit. Elle a l'air de sentir bien ici, alors je vais la laisser grandir ici, même si j'avais prévu de faire autrement. En fait, il va changer ses plans en fonction de comment la plante se trouve à un endroit. Enfin bref, il y a tellement de respect en fait pour la plante que moi, c'est suffisant. Pour moi, ça, c'est un label qui a pas de prix. Mais... Donc, en fait, le transfert à ce niveau-là, d'aller chercher un extrait de plante chez un producteur, un distillateur, un cueilleur,
qui a cet amour-là des plantes et qui a le respect de la plante et du produit en fait qu'il obtient. Ce qui veut dire aussi de mettre de côté les grandes productions. Et il y a énormément, on a la chance en France, et même globalement, les pays francophones sont assez gâtés, hein, que ce soit la France ou le Québec, la Belgique un peu moins, la Suisse aussi, on est des produits, on a des productions d'huile essentielle qui sont absolument magnifiques. Autant en profiter et aller rencontrer les distillateurs. Il y en a quasiment dans toutes les régions de France. Alors, on ne produit pas la même chose à côté de Belfort, où il y a d'ailleurs deux magnifiques distilleries, et en Bretagne ou au sud-est, c'est sûr, on ne produit pas les mêmes plantes, mais on a des huiles essentielles qui sont de super qualité avec des distillateurs qui ont vraiment l'amour de leur métier. Puis ça, du coup, bien sûr, ça joue sur la qualité de la plante et puis ça a un impact aussi en termes de transport et sur la planète. Et c'est bon pour la planète aussi, on va dire les choses comme ça, de privilégier à la fois le fait de prendre des plantes près de chez soi et de ne pas aller chercher à Tataouine des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète et en même temps de privilégier des gens qui ont cet amour, cette connexion dont je parlais avec les plantes. Alors, est-ce que tout ça a évidemment des impacts sur la nature, hein? Prélever, c'est pas anodin. Est-ce que ça impacte aussi sur nous-mêmes? Est-ce que tu vois d'autres manières de prendre soin de soi en prenant soin de Dame Nature? Encore une fois, parce que les deux sont liés et que finalement, faire du mal à Dame Nature, c'est aussi nous faire du mal à nous. Comment on peut faire pour se soigner et soigner la nature en même temps? Est-ce que tu as d'autres pistes? Alors, dans la question que tu m'as posée juste avant, en fait, je ne l'ai pas terminée, je vais la terminer en fait en répondant à cette question-là sur qu'est-ce que tu fais en fait quand ça ne va pas. Donc il y a les plantes qui vont venir, et je disais dans un deuxième temps, en fait, elles m'aident à retrouver cette attention que je peux avoir pour moi. Moi, je suis issu du monde du travail du corps, puisque à la base, je suis kinésithérapeute, donc pour moi, ce qui va être en lien avec le toucher est extrêmement important. C'est quelque chose, enfin voilà, le rapport au corps est quelque chose de très important pour moi. Et à partir de là, en fait, j'ai eu l'occasion, par différentes formations, etc., à prendre plein de techniques où on va traiter les autres, mais aussi on va pouvoir se faire du bien à soi. Et j'ai eu l'occasion de constater que ce bien-là qu'on pouvait se faire par le toucher, il allait quelquefois au-delà du simple toucher. Il y a d'autres que moi je nomme pas. Je sais que toi tu affectionnes enfin que tu vas utiliser le terme énergétique. Moi c'est un terme que j'utilise pas dans ma pratique, mais on peut l'appeler comme ça, pourquoi pas. Mais quelque chose en fait qui va résonner au-delà et qui va avoir une action en fait beaucoup plus large. Et ça fait partie des autres choses que je vais utiliser, que ce soit pas du où je vais me toucher moi-même, c'est des automassages, des points qu'on va travailler, etc., que des choses où je vais me mettre en mouvement, quelle que soit la technique que je vais utiliser d'ailleurs pour me remettre en mouvement. D'accord, donc en fait, tu vas aussi utiliser quelque part l'énergie pour comprendre de quoi il retourne et pour pouvoir adapter les choses d'une manière la plus efficiente possible. On en revient toujours à cette question d'énergie, si je te comprends bien. Et quelque part, c'est assez logique, on est fait d'atomes, et les atomes, il y a plus d'énergie dedans que de matière physique, si je ne m'abuse. Tu vas me dire qu'il y a très 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 peu de matière physique et beaucoup 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 d'énergie, et que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, puisqu'on va pouvoir revenir à l'énergie, ou réentendre, ou réécouter l'énergie, pour prendre soin de soi, encore une fois, et pour aller bien. Je dirais, ça va même. Enfin, il y a une autre direction que prend le fait en fait de se mettre en mouvement ou de se masser quand on va utiliser des plantes en parallèle. Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre du respect de soi et du respect de la plante. Je m'explique.
Si je prends par exemple de l'aspirine, voilà, ou du Doliprane, je peux très bien marcher dans la rue, répondre au téléphone, envoyer un mail avec l'autre main et alpaguer la voiture qui vient de passer à deux doigts de m'écraser tout en avalant mon cachet. Je peux le faire en même temps. C'est-à-dire, je peux tout à fait me soigner, entre guillemets, en même temps que je fais plein d'autres choses et continuer en fait ma vie comme si de rien n'était. Ça, c'est une possibilité. Lorsque j'utilise une plante, je peux le faire aussi, techniquement. Je peux tout à fait m'appliquer ma goutte d'huile essentielle en même temps que je regarde la télé, que j'écoute la radio, que j'écris un truc et que je sais pas T'es quoi. très fort, toi. je peux tout à fait utiliser l'huile essentielle avec cette même logique-là, le faire en même temps qu'autre chose. Appliquer une goutte d'huile essentielle en même temps que je suis en train de conduire, je l'ai vu faire, c'est tout à fait possible. Et à un moment donné, même si je l'ai fait, hein, en même temps, voilà, ça m'est arrivé de le faire comme ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment respecter la plante? C'est-à-dire, est-ce que si je le fais tout le temps comme ça, est-ce que je respecte vraiment la plante? Le fait de faire un mouvement, en fait, d'associer à la plante un geste, que ce soit une respiration, que ce soit juste voilà, monter sur la pointe des pieds et redescendre juste voilà, pour retrouver une assise, par exemple, que ce soit, ou pour d'autres raisons encore, que ce soit venir masser un point, etc. En même temps que je prends la plante, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé d'être à ce que je fais. Je suis obligé d'être avec moi et la plante, tous les deux, en fait, pour se soigner. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du respect de ce que l'on fait et de ce qui advient quand on le Tu veux fait. dire que tu vas prendre la plante en conscience et que probablement ça aura plus d'effet sur ce que tu fais que si tu prends la plante en faisant moi je passe l'aspirateur, j'écris un mail en même temps et je dis à mon chien de se tenir tranquille, donc chacun son truc quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est faire la chose en conscience va décupler son effet, je te comprends bien. Oui, c'est être en présence, avoir toute son attention, son intention dans la même direction, et dans celle de la plante et dans celle que l'on a pour soi. Je préfère le terme présence à Ouais. conscience, parce qu'il implique aussi la perception de soi. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que médecine, on parle de se soigner, donc on va dire de médecine depuis tout à l'heure. Médecine, c'est un terme amérindien, algonquin, si je me trompe pas, qui veut dire force et puissance. Donc en fait, c'est quelque part aller prendre cette médecine de la plante pour utiliser toute sa force et sa puissance et la mettre au service de sa propre santé, de sa propre puissance. C'est quelque chose qui parle, c'est dit ça. Alors, je dirais plutôt, c'est aller chercher la puissance de la plante pour retrouver notre propre puissance. J'avais l'impression que c'était exactement ce que j'avais dit, mais on s'est pas bien Alors, compris. c'est-à-dire que, alors, je vais juste expliquer moi ce que j'avais compris dans la différence, c'est pour moi, la plante, elle n'a pas produit, si je reste sur mon teint, il n'a pas produit les principes actifs en fait pour me soigner, pour soigner mon rhume ou mon angite ou ma pharyngite. Il les a produits pour lui et pour lui seul. Et c'est pas un problème, mais c'est un acte égoïste la production d'essence d'une plante. Et c'est normal en fait, elle est là. Elle cherche à se maintenir en vie et à se développer. Et donc, lorsque je vais chercher cette puissance-là de la plante, j'ai pas à considérer qu'elle le fait pour moi, elle le fait pour elle, et il se trouve que ça colle, que ensemble ça colle. À partir du moment où ensemble ça colle, eh bien il faut que moi je me montre digne de ce qu'elle m'a apporté, et donc j'ai cherché ma propre puissance aussi. J'avais cru entendre, mais ça m'étonnait hein, parce que je te connais, et je sais que c'était pas trop ton intention, mais on pouvait comprendre dans ce que tu disais que j'allais chercher en fait la puissance dans la plante que je me transférais à Non, non, moi-même. Mais voilà, c'est pour ça que je mettais la c'est nuance. bien que tu l'aies précisé parce que c'est effectivement, on parle effectivement de la même chose
Et c'est bien que tu précises parce que mon propos aurait pu être mal compris, donc merci à toi. Loïc, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes. On va peut-être pas prendre plus de temps que ça, ou pas beaucoup plus. J'ai envie de te poser, tu sais, dans les confidences de plume, il y a quelques questions traditionnelles. J'ai envie de te poser quelques-unes de ces questions, si tu veux bien. La première, elle est évidente. Pour toi, une plante, c'est... Un univers. Ok. L'endroit où tu préfères être sur cette planète? Les deux endroits que je préfère, en moi, ça c'est, je dirais, c'est la réponse qui peut faire sourire en disant oui, c'est un peu facile, mais c'est en moi que je préfère être. Et le deuxième endroit, j'ai quand même une forte attirance pour les zones tropicales, même si je ne vis pas en région en zone tropicale, j'aime le chaud et l'humide. Mais ce n'est pas le cas de toute ma famille, alors pour l'instant on est juste dans l'humide, mais on n'a pas le Si tu chaud. as besoin de quelques adresses au fin fond de l'Amazonie, j'en ai quelques-unes en stock, n'hésite pas. Un remède que tu emportes toujours en voyage avec toi? Ça dépend des voyages. C'est par période en fait. J'ai mes gris-gris par moment. Il n'y a pas très longtemps, c'était une branche de thym. Encore? Ouais, mais quelques semaines avant, c'était de la lavande. Donc en ce moment, je voyage pas beaucoup, hein, et pour cause. Et donc je ne sais pas laquelle je pars. En fait, souvent, je vais voir et puis je prends celle qui me parle à ce moment-là. Donc ça, c'est très Donc on variable, revient ça à change beaucoup. l'écoute de la plante et à cette notion Ouais. d'interaction entre le monde des plantes et notre humanité, mais en fait comme on est le tout, on est toujours tous ensemble. Merci à toi Loïc, c'était fort intéressant. Merci à toi qui nous regarde. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire tout ce qu'il faut pour t'abonner pour les prochaines vidéos. Tu peux aussi, si tu le souhaites, retrouver Loïc. Oui, où peut-on te trouver, Loïc? Sur mon site se-soigner-autrement.net ou sur tous les réseaux sociaux en mettant les mêmes désignations, se soigner autrement, je D'accord. suis un peu partout. Donc vous trouverez juste en dessous de cette vidéo le lien pour aller sur se-soigner-autrement.net, le lien aussi pour aller sur Plume de Forêt. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, le meilleur moyen c'est de vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Loïc, elle est fort intéressante. Merci et à très vite. Au revoir.